Et re-coucou, alors je viens vous faire la vidéo sur la revue test des tampons. Alors à savoir que nous sommes le 16 août, le lundi 16 août 2021, j'ai reçu les tampons de la compagnie des elfes ce matin. Donc je vais vous montrer déjà ce premier morceau de feuille. Je vais commencer par le cadeau, donc c'est un cactus avec le mot cactus. Et c'est ces deux-là. Voilà. Ensuite, là, on va faire avec les tampons la vie au château. Alors, celui-ci, celui avec le joli petit cerf. Donc, c'est celui-ci. Voilà. Celui-ci. Ensuite, la petite fée, qui est celui-ci. Je vais vous montrer de plus près la petite fée. Donc, avec celui-ci. Ensuite, vous aviez. Alors, j'arrive pas à définir si c'est une licorne ou un dragon, parce que là, vous avez une petite aile de dragon. Donc, à définir vraiment si c'est un dragon ou une licorne, j'ai un petit peu du mal. Je dirais un mélange des deux. Voilà. Ensuite, le quatrième tampon. La petite fée. C'est celui-ci. Voilà. Ensuite, le tampon avec le château et la grenouille. C'est celui-ci. Donc, ils sont tous montés sur mousse, comme je vous expliquais. Donc, ça donne ce rendu-là. Voilà. Et le dernier tampon de celle-ci, voilà, c'est une autre petite fée toute mimi. Voilà. Et c'est celle-ci. Voilà. Donc voilà pour tout ce qui est féerie, la vie de château. Ensuite, tout ce qui touche au monde tropical. Alors, vous avez celui-ci avec l'oiseau qui est super beau, qui est magnifique. Donc, le rendu, c'est celui-ci. Il est magnifique. Ensuite, avec le flamant rose. Donc, c'est celui-ci. Celui-ci où il y a marqué, celui où il y a le sentiment relax dessus. J'essaie de bien remettre. Voilà le truc. Voilà donc celui où il y a écrit relax avec les fleurs. C'est celui-ci. Ensuite, celui, le deuxième avec le flamant rose, le deuxième flamant rose. C'est celui-ci. Ensuite,
Celui-ci que je croyais que c'était des caméléons, en fait, c'est juste un tigre. Avec des fleurs. Qui est juste ici. Et le dernier, c'est un léopard. Et ça rend ceci. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Bye bye!